C'est qui? Hey! C'est qui? Oui, bonjour, c'est pour... Bonjour. Bonjour. Un portrait de 6 pages, ça se chie pas comme un œuf de poule. Hein? Pardon? C'est qui? Coach. Coach? En quoi? Pour qui? En soin de l'image, pour vous. Bah, quelle image? Mais la vôtre, c'est M6. Vous vous rappelez d'M6? Vous avez même un bureau là-bas qui m'envoie. Pour me réveiller? Exactement. Voilà, vous êtes déjà en résonance. Hein. Je crois que ça va aller vite entre nous. La séance photo pour le papier de 6 pages? Ouais, alors? On la prépare ensemble. C'est une question? J'ai une tête à poser des questions. Vous avez vraiment mon avis sur votre tête? Oh, voilà, doucement. Faut maîtriser le négatif, là. On turbine ensemble aujourd'hui. Quoi? On turbine. Ça veut dire quoi? Comment ça, ça veut dire quoi? Vous êtes belge ou quoi? Ouais. Ah merde. Eh bien, on turbine, quoi. On en abat, on en chie dur, on marne, on gâche serré. On travaille ensemble. Aussi, oui. Bon, ben, d'accord. Je vais me préparer. On part dans combien de temps? On part pas, on part plus. J'ai tout changé. Le reportage se fait ici. C'est plus près. Déjà, oui, et c'est mieux. Virginie Efira chez elle, au naturel. Simple, limpide, rudimentaire. Je vous cache pas que... Il y a du boulot dans la cabane. C'est quoi ce bordel? C'est qui, lui? C'est Sam. Ah ben, il va rester là, lui, aujourd'hui? Ah, on dirait, oui. Ah non, honnêtement, je suis pas sûr. Lui, je suis pas sûr. Tu pourrais au moins prévenir, non? Et toi, tu me l'as dit, peut-être que ton père débarquait? Mais ça fait un mois que j'annonce qu'il vient m'aider à réviser mon concours. Viens pas me dire que t'es pas au courant. Non, mais ça va. Plus, je savais pas que l'interview se faisait ici. Intéresse pas au coach? Virginie, je pense, à mon avis, du moins c'est ma conviction qu'il serait raisonnable et plus congru de reporter courageusement cette séance photo. Diantre, ce n'est pas si grave. Pardon? Je pense qu'il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Et j'en profite pour faire appel à ce qui, chez toi, nous a tous et toutes immédiatement séduits. Parle en quelle langue, là? Non, c'est quoi ce look? Tu fous de ma gueule, c'est ça? Laisse tomber, moi je sais ce qu'il a. Tu vas m'attendre à côté, s'il te plaît? Bien sûr, chérie. Ah, et ne te le presse pas pour moi, j'aperçois là un excellent magazine. Un peu de lecture et un bon fruit frais. Non mais, sérieusement, qu'est-ce qui lui arrive? Je m'en occupe. Sam, tu vas pas te mettre dans cet état à chaque fois que mon père vient nous voir, si? Ah, mince! Chouette, quelle bonne nouvelle! Mais arrête! Sacré Alain, ça fait une paix, dis donc! Mais dis-moi pourquoi tu deviens con quand mon père vient nous voir! Mais que signifie? Tu t'arrêtes, hein, ou je te jure que je te la mets, hein! Je sais. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je sais pas. Bon, c'est fini? Hein? Ouais, excuse-moi. Bon, c'est bon. Non, mais ça, je comprends pas du tout, en plus, pourquoi je... On n'en parle plus. Non, parce qu'en plus, je non, sais... Non, mais ça va, oui, enfin, je sais pas. Ok, c'est oui, bon. Je... Non, mais j'ai envie de faire une phrase complète, en fait. Vas-y, je t'en prie. Non, mais voilà, tu as raison, il faut que je reste moi. Ouais. Voilà, que je fasse ce que j'ai à faire comme prévu. Exactement, oui. Ça tombe très bien que tu dises ça, parce que, par exemple, JB allait venir voir le match, et eh ben, j'allais annuler. Ouais, mais non, mais quoi, voir le match? Vous allez mater la télé? Mais tu pourrais prévenir, non? Tu programmes un match de foot le jour où mon père vient m'aider à réviser, tu... Alain, arrive à quelle heure? Non, c'est bon. Ok pour le match. C'est bon. JB, mon assistant? Oui, viens voir un match de foot pourri à la télé. Hein. Pourri, Châteauroux, Créteil. Ouais, mais non, ça va pas être possible. On est d'accord. Je vais pas décommander maintenant, c'est l'affiche de la 22e journée quand même. L'affiche de quoi? L'affiche, le match de sa mère de la 22e journée, si tu préfères. Enfin, j'y connais rien, mais Châteauroux, Créteil, là, c'est pas bizarre ça comme nom d'équipe? Non, mais c'est de la Ligue 2. De la Ligue quoi? De la deuxième division. La Ligue 1, c'est trop pourri par le pognon. Hein. Je veux dire, c'est actionnaires et compagnie. La Ligue 2, c'est des vraies valeurs, c'est les mecs qui en veulent. Tu déconnes ou pas? Pas du tout. Tu sais, le foot, c'est un peu comme une espèce de grande projection de la vie. Non, mais c'est bon, c'est ok. Sinon, on en a pour 8 jours, là. Par contre, c'est sans le son et avec interdiction de parler. De quoi? C'est ça où je pète l'écran. Mais et l'ambiance de merde, Châteauroux-Créteil, putain? Dites, à propos d'ambiance de merde,
Vous commencez tous à me les râper très fin avec vos conneries. Virginie ne s'est pas incarnée sur cette terre pour renifler le cul de Lulu, je vous signale. Elle est appelée à une très grande spiritualité. Elle sera bientôt en face d'êtres très importants, je le sais. Ah bon? Et de qui? Les maîtres de l'invisible, ça te dit quelque chose à toi, tête de flanc? C'est pas un groupe de rock? Ah, non, 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 mais non, fermez c'est... vos mouilles, déblayez salon, arrêtez de nous chier dans les oreilles, ok? C'est ok ou c'est pas ok? C'est ok. C'est ok. C'est qui, les maîtres de l'invisible? Je sais pas. Vous êtes sûr que c'est pas un groupe de rock? Toi! Le feng shui? Oui, bien sûr, déjà entendu parler, oui. Chat colère! Le feng shui est à la maison ce que l'acupuncture est au corps. La vie et l'univers ne font qu'un, c'est ça le truc. Les hommes sont aveugles, ils ont chacun des impressions différentes en tripotant le même éléphant. Quel éléphant? J'adore. Un éléphant. Un putain d'éléphant. Un aveugle qui touche les pattes dit que la vie est un arbre. Un autre qui touche la queue dit que la vie est une corde. Un qui une défense dit que la vie est un os. Un qui les oreilles dit que la vie est une feuille de lotus. Un qui la trompe dit que la vie est une... Je crois que j'ai compris le principe. Chat colère. Et leur théorie n'en se compte partie de l'image globale. Le feng shui réunit notre vie et notre destin au mécanisme de l'univers. Les permutations cosmiques et atomiques trouvent écho en nous. J'adore. Non mais il y a un truc que je comprends pas bien. Ah, c'est mieux si vous m'interrompez pas. Juste une question. J'ai peur que ça m'énerve, mais allez-y. Et quel rapport avec le reportage qu'on a fait sur moi? Ça y est, ça m'énerve. Et que comprenez que votre harmonie intérieure se verra sur vos photos et se sentira dans vos propos. D'où la nécessité du feng shui. Car votre habitat est un élément fondamental de cette harmonie. C'est clair? Mon habitat? C'est très simple. On divise votre maison en 9 points correspondant aux 8 points cardinaux. Le feng shui est la clé pour une vie en harmonie avec la nature et ses liens d'énergie. Ok. Et ça vous va ici? Le chi pue du cul ici et la circulation d'énergie aussi. Il y a une lumière de choc, des couleurs caca, le yin est pourri et le yang est toupiné. Ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Pour retrouver une harmonie provisoire, un seul objet déplacé peut parfois suffire. J'essaye, enfin j'essaye. Oui, non mais allez-y, oui. Bon bah c'est officiel, hein. Les chasses jouent. Ah bah moi perso je trouve ça prématuré, hein, surtout après sa blessure au genou. Enfin de toute façon ils peuvent pas se permettre de laisser sur le banc. Hein. Après les gros trous qu'il a eu dans le calendrier, s'il tient une mi-temps, on peut déjà s'estimer heureux. En même temps, oui, on joue à domicile, donc il voudra montrer à son public qu'il est toujours là, c'est vrai. Tu pourrais pas fermer ta gueule. Attends, je te prends à côté, bouge pas. Qu'est-ce que vous faites? Posez-moi ça tout de suite, merde! Je m'épluche les noyaux pour vous protéger des ondes négatives et vous me sortez un putain de téléphone. Non, j'appelle juste mon assistant pour décaler le rendez-vous. Comme la maquilleuse et le coiffeur sont en retard et les journalistes arrivent dans 20 minutes, je peux pas faire de photos avec cette tête-là. Ils sont pas en retard, je les ai décommandés. Quoi? Mais vous êtes pas bien, vous? La lune est montante jusqu'à jeudi midi. Ensuite, elle redevient descendante. De quoi? Nous allons oser leur montrer l'authentique Virginie. Sans fard, sans paillettes. La Virginie bio, qui a bon goût naturel et qui se montre telle qu'elle est vraiment. Ah ouais, d'accord. Virginie? Quelle horreur, mais quelle horreur! Ça va être ça, je sens qu'on va bien faire équipe. Le maquillage et la coiffure sont des actes de reconstruction, bordel! Des actes de précarité, de transition! À l'opposé des notions d'équilibre, de durabilité, de permanence. Mais c'est comme vos cheveux! Vous les avez coupés récemment, non? Ils sont où? Comment ça, couper? Mais vous, c'est pas croyable d'entendre ça. Vous savez pas que les cheveux sont en relation avec le corps? Je sais pas. On me l'avait jamais dit. Parce que vous avez besoin qu'on vous le dise. C'est pas évident pour vous? Ils sont morts ou vivants, les cheveux? Vivants, je suppose, mais dites-moi. Mais c'est pas croyable. Vous savez pas que les cheveux sont sensibles, qu'ils viennent de l'intérieur du corps? Ils ont autant, si ce n'est plus d'importance que les nerfs. Ils sont implicitement liés aux idées, à l'esprit, à l'intelligence, à l'entendement et au jugement. Pourquoi vous parlez sur ce ton? Hein? Vous êtes qui d'abord? Vous avez coaché qui avant? C'est pas vous qui avez coaché Dominique Chapat? Qui ça? Dominique Chapat. Ah oui, mais c'était pas... C'était moins... En tout cas, c'était pas comme vous, en tout cas. Hein. Pourquoi? Mais si. Elle est beaucoup moins... Qui ça? Ah, ça y est. Je sais qui vous êtes. Je savais qu'il devait se passer quelque chose d'important aujourd'hui. Vous êtes Antea. Nous avons retrouvé la reine des Atlantes. Oh, ça va vite. Oh, ça va vite. Ça va très vite. J'ai pas tout suivi, mais... Antea, vous dites?
On serait des tourteaux. Comme toujours avec ma fille, sors-moi la pince, je veux crabe. Mais non, Sam, non. Enfin, Sam, c'est moins drôle que ça. Ça, c'est nul, c'est pourri, je te jure. Attention, je suis en pleine forme. En forme de quoi, ça, je sais pas, mais... Il est bon. Mais non, mais pas du tout, non. Bon, on arrête les blagues à deux balles tout de suite, ok? Mais et toi, le petit combat, tu te calmes ou je veux vraiment t'en coller une? Pour que l'interview soit positive et que la séance photo ne devienne pas un détournement d'âme, il faut observer des règles très strictes. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Ben, vous? Non, non, ne me regarde pas. Bah, pourquoi? Non, il me regarde, là. J'aime pas ça. Ça me... Ça me... Voilà. Mais c'est pas grave, ça. Allez-y, continue. Bon. Vous voyez ceci? On dirait un coussin. Alors bon, c'est un coussin, mais pas comme les autres. À partir de 7 minutes, vous ne devez plus vous asseoir que sur lui. Il vous protège, tel un bouclier occulte, des mauvaises vibrations extérieures. Il empêche les vôtres de sortir. Comment ça? Vous voulez dire que si elle pète... Voilà, vous êtes contente? Merde, à la fin. Vous l'amenez partout, ce coussin, ok? Au bureau, au restaurant, au cinéma, dans le train, aux toilettes. Aux toilettes? Forcément, une fois dans les toilettes, vous l'enlevez, vous n'allez pas... Putain, j'ai dit toilettes, comme j'aurais dit... Alors il en faudra plusieurs, quoi. Par toi. Je t'assure, c'est pas contre toi, mais... Enfin, si, c'est contre toi. Tire-toi. Vous sentez pas son négatif? Bah, j'avoue que je sens pas grand-chose, mais... Allez-y, continuez. Devant les journalistes, vous devez rester assise, toujours. Enfin, sauf pour dire bonjour, quoi. Merde, merde, là! Non, mais il a raison, quand même. Non, assise, toujours! Le dos droit. Vous êtes la reine venue du plan des maîtres cosmiques. Oui. Laissez venir à vous les disciples. Tiens, je crois qu'on t'appelle, toi. T'entends pas? Max, Max? Tu t'appelles comment, déjà? Sam. Mais c'est toi, on t'appelle. Oh, merde, c'est con. Et tu reviendras? Bah, je sais pas, parce que le match va commencer, alors... Mince. Mais tu reviendras pas, alors. Pour que l'entrevue soit positive et que l'épreuve d'oral ne devienne pas un cauchemar pour toi, il faudra observer des règles très strictes. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, mon coussin, j'ai perdu mon coussin. Quel coussin? Mais fais un effort, Carole. Pas de stress. Gentillesse, douceur. Ton attitude comptera pour beaucoup. Les connaissances ne suffisent pas. On évaluera aussi ton aptitude à vivre avec des enfants. Patience, bienveillance, assurance. Oh, les enfants. C'est bon, il n'y en a que pour les enfants, c'est mon examen, non, là? On va quoi, tu veux être instituée ou merde? Mais... Alain cherche juste à savoir si tu souhaites réellement devenir professeur des écoles. Si oui, quels sont les éléments qui t'ont poussé à faire ce choix? Quels avantages et quels inconvénients vois-tu dans cette profession à l'heure actuelle? Enfin, je ne sais pas. Alain, arrêtez-moi si je dis une bourde. C'est exactement ça. Ce que dit Sam est plein de bon sens. Je crois que je vais vomir un peu, là. Prends garde, Carole. Car si les métiers de l'enseignement suscitent toujours à l'heure actuelle autant de vocations, la sélection au concours reste sévère et demande une préparation intensive. Absolument, j'aurais pas dit mieux. J'ai une question. Je t'écoute. Est-ce que ça me peut se barrer? Dites-moi, JP. Non, JB. Pas JP, JB. Ah bon, c'est plus JP? Bah, je m'appelle Jean-Bernard, ça peut pas être JP. Ah, voilà, c'est moi qui faisais toujours la faute. Je disais toujours Jean-Bernard, mais je le disais pas souvent, hein. Jamais, en fait. Excuse-moi, parce que j'ai un match sur Eurosport et je suis en retard. Qu'est-ce que je voulais vous demander, moi? Bah là, ça serait super de rien me demander, par exemple. Eh oui, mais je sais bien, vous savez ce que c'est. On voit quelqu'un qui est pressé, ça énerve, ça agace, on le retient, on le retarde. C'est plus fort que nous, ça. La crainte du vide, la peur du rien... Le souvenir d'un Noël sans cadeau, peut-être. Peut-être. Je peux y aller? Allez-y, allez-y. Ah, dites-moi, si Virginie vous réclame, on dit quoi? Ah non, mais elle va pas me chercher parce que je vais voir le match chez elle. Ah bon? Oui. Vous allez voir un match de foot chez Virginie? Bah oui. Mais enfin, comment ça se... Mais ça m'agace, ça. Moi aussi, j'aime le foot. Enfin, pourquoi vous et moi? Non, mais excusez-moi, parce que là, faut vraiment que j'y aille. Et puis surtout, j'ai des photocopies à récupérer en bas. Ah! Voilà ce que je voulais vous dire, la photocopieuse. Vous vous en êtes occupé au moins? Non, elle marche pas. Eh ben c'est pour ça en fait, c'est pour ça que je vous demande si vous en êtes occupé. Vous l'avez regardé? Non. Bah je sais pas, peut-être qu'il suffit de changer... L'eau? Voilà. Ah mais vous croyez que c'est ça? Mais franchement ça peut pas attendre. Ah non, mais vous bousculez pas hein. Commencez d'abord par une petite pause mon vieux. Hein? Et puis je sais pas, moi dans un petit quart d'heure, vous vous y collez peinard. Mais dites, y a pas de danger que je mets bouillante? Les questions qu'on vous pose et les photos qu'on fait de vous sont autant d'offrandes que vous apportent ces humbles adeptes que sont intervieweurs et photographes. Et je les regarde ou pas? Bah, évidemment, sévérité, mais bienveillance. Puis vous devez afficher vos lectures. Laissez traîner ça et là quelques livres, vos lectures favorites. Ça tombe bien parce qu'en ce moment, je suis en train de... On s'en tape, on s'en fout. Vous ne devez plus lire cet hors-champ.
préférer compulser des œuvres d'une importance primordiale. La vie d'un mètre trente, les portes de l'esprit souple, les voies intérieures du dedans, des auteurs de grande classe, et surtout ma vie d'initié partout, best-of des préceptes. Je connaissais pas, ils sont de qui ces bouquins? Attendez, ils sont de moi. Enfin de moi, je les ai écrits sous la dictée. Sous la dictée de qui? Assis, ne vous levez pas. Mais ça va pas être pratique pour ouvrir, vous pouvez pas y aller parce que c'est sûrement les journalistes. Oh putain, il faut pas qu'on voit. Personne ne doit savoir que vous avez un coach. Qu'est-ce qu'ils écriraient, hein? Que j'ai un coach. Ça, ils hésiteraient pas. Bah non, puisque j'ai un coach. En fait, c'est comment votre nom? Mais quel nom? Vous êtes pas dingue? J'ai pas de nom, je n'existe pas. Enfin, c'est vous qui comptez, vous seul. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis plus là. Tenez, buvez ça. C'est normal, l'odeur de fumier? Ah, pas d'enfantillage, hein. C'est pour favoriser le transit télépathique. Pourquoi faire? Pour maintenir une connexion permanente. On n'ouvre plus la porte maintenant, vous. Voilà. Oh la vache, qu'est-ce que t'es moche? T'es malade? Il va pas rester là, Sam. J'avais dit qu'on sera emmerdé avec lui. En vertu des pouvoirs dont je suis investi, je demande à l'ange du jour, à l'ange de l'heure et des divinités planétaires de nous maintenir sous leur protection. Amen. J'ouvre la lourde. Excusez-moi, mais cet éléphant-là dont vous parlez, il sort d'où? Enfin, il a quel sens pour vous? Non, mais c'est un exemple pour vous faire comprendre. Ben, justement. Bah, c'est un éléphant, quoi. Enfin, un éléphant aveugle, hein, sinon ça veut rien dire. Non, c'est un éléphant qui mange un tronc et se dit, tiens, la vie est un arbre. C'est un éléphant qui mange un os et se dit, tiens, la vie est un os. Un éléphant qui mange une feuille de lotus et se dit, tiens, la vie est une oreille. Et ça rappelle qu'il faut toujours être à l'écoute, quand même. Et comment vous définiriez votre métier de présentatrice? C'est une vocation, en fait. Non, c'est une mission, voilà. On serait investi de plein de pouvoirs, des pouvoirs dont on serait investi, en fait. Ah oui. Non, mais ça, c'est rien, ça. Non. Il faut prendre conscience d'une chose. On a des cheveux sensibles qui viennent de l'intérieur du corps. Et ça, si on ne le sait pas... C'est de la mnémotechnique. Ils ont fini de se taire Quimper, Mélanappe. Ils ont fini de se taire département du Finistère. Quimper, Mélanappe, chef-lieu Quimper, code Nappe. Gloria Lasso retire sa manche et exhibe ses Saint-Lolo, département de la Manche, chef-lieu Saint-Lô, code Lasso. JB? Ouais. Alors? Ah merde! Sam! Oui, je peux pas trop te parler en fait. Comment? Non, mais je peux très bien te parler. Non, non, non. Oui, dans le sens que. Non, c'est que là maintenant je. Sam! Oui, faut que je te rappelle. De quoi? Putain, j'en ai marre. Mais évidemment que tu m'entends, parce que je suis en train de. Pardon, Jean-Bernard, quel bécasson parfois. Sam, ou tu la fermes ou tu sors. Excuse-moi, chérie, c'est mon camarade. Bouclez vos mouilles, bon sang. Soit vous bourdonnez comme des mouches à merde, soit vous cuinez comme des patates. Ça va bien maintenant? J'aimerais écouter, là. Écouter quoi? Mon cul. C'est pourquoi il faut toujours avoir avec soi son coussin occulte. Et il faut l'emmener partout. Mais partout, partout, hein. Notez-le bien, ça, c'est important. D'accord. Une question? Bien sûr. Tant qu'adhérent, vous avez le droit de m'offrir des cadeaux, même si je sais que vous êtes pauvre. Ouais, sans le son, c'est quand même pas pareil. Chut! Bon, j'appelle juste JB pour lui dire que moi, tu as commencé. Non, non! Deux secondes! Non! JB? Ouais, bah c'est parti. Chut. Ah bah, Châteauroux a tout de suite pris le dessus, hein. Avec une possession de balles plus importante, les Châteauroquins ont... Castelroussin. Comment, Alain? Le gentilier de Châteauroux, c'est Castelroussin. Ah, on me souffle très pertinemment que... Sam, si tu la fermes pas, je coupe aussi l'image, là. Toi, c'est par ici que ça se passe. Oh, 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 but! But! Oh, la vache, but! Péchasse du gauche, putain, but! Hein, Sam! Silence! Bouclez-la, sinon c'est moi qui m'en charge. Je crame tout là-dedans. Si vous la fermez pas maintenant, je vous dis pas comment ça va chier. Est-ce parce que j'ai une information récente que dans une vie antérieure, j'étais Angora, reine des athlètes? Quoi qu'il en soit, je tiens à assumer mes responsabilités. Nous avons tous une mission à mener à bien sur cette terre. Et si chacun s'efforçait de la mener à bien, tout irait bien. Beaucoup. Mieux, quoi. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. L'interview est terminée. C'était intéressant. Instructif. Encore une ou deux photos de vous avec ce livre, par exemple? Avec plaisir, bien sûr.
pas son genou? Ça tient ou pas? C'en est où? Non, mais faut arrêter avec ça. Déjà, l'autre, je peux plus, alors s'il y en a deux. On se connaît, nous? Non. Ah, bah si. Non, ça m'arrive à moi aussi, des fois. Bah, il est où, Sam? Alors? Très bien. Je me suis sentie très. Très bizarre, mais très bien. Votre livre les a beaucoup intéressés, beaucoup. Bien. Vous allez être appelé à faire de grandes choses. Patience. Je ne peux rien révéler pour l'instant. Super. Barrez-vous dehors, cassez-vous! Prenez votre télé de merde et tirez-vous! Sam, si je loupe mon examen, si je loupe mon examen! Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, j'aide Sam, tu vois bien. Mais non, t'aides pas Sam! C'est JB qui aide Sam! Toi, c'est moi que tu aides! Tu voudrais pas te mater le match des fois? Ou tu sais, moi, le foot. Enfin, ceci dit, je vais peut-être te laisser te reconcentrer un peu, parce que n'oublie pas que le jour de l'examen, tu seras seul. Et ça aussi, ça se prépare. Qu'est-ce que vous sentez? Je sais pas. Ça tourne. Alain, vous regarderez bien la seconde mi-temps avec nous. Ce n'est qu'un sport populaire, mais zut, ça délasse. Y a pas de la bière? Ah. Non, mais vous êtes sûr qu'on se connaît pas, nous? Certains. Non, mais attendez, si, ça va me revenir, là. C'est... Ah, je sais, ouais. Non, si, attendez. Non, attends, dans deux secondes, j'ai trouvé. Ah, mais oui, vous êtes le... Oh, mais je le connais, bon sang, c'est... Je sais pas si vous êtes au courant, mais vous me désharmonisez, là. Vous foutez le bordel dans mes capteurs d'énergie. Excusez-moi, Virginie, hein. Je vais aller m'isoler afin de réorganiser mes chakras. Je sens une dysfonctionnement vibratoire, là. Ça va, Virginie? Ça plane, Sam. Je me suis jamais senti aussi bien pendant une interview. Bon, allez. Attention, au bout de la langue, je l'ai, là. Oui. Oui. Oui, ah ben, je suis très heureux que nous nous comprenions. Oui, Virginie apprécie vraiment beaucoup que vous acceptiez de ne pas publier. Voilà. Bien sûr, sous cette forme-là, en tout cas. Ah, mais tout à fait d'accord pour un autre reportage. Oui, on vous doit bien ça. Ah oui, une autre revue. Quelle autre revue? Ah, d'accord. Quelle revue? Ah, d'accord. Ah, carrément, oui. Ah, bon, d'accord. Écoutez, je lui en parle, hein. Mais considérez déjà que... Voilà, je vous rappelle. Et encore merci. Oui, d'accord. Bien, oui. Bien, oui. Ah, oui. Au revoir. Il publie pas, mais il veut un autre reportage en échange, c'est ça? Ah oui, mais la photo. Uniquement photo. Dans une autre vue. Très cher. Dans une autre vue très chère? Non, c'est le nom de la revue, c'est La Chair, très chère. C'est un magazine, comment dire, un magazine dans le genre de... Pour mec? Ah, pas du tout. Au contraire, énormément de femmes apprécient. Oui, de plus en plus. Non, mais alors, je te préviens, je ne montre rien. Ah non, mais... Qu'est-ce que tu crois, Virginie? Mais bien sûr, mais c'est toi qui décides. C'est toi qui choisis les sous-vêtements, là, les lingeries et tout. De quoi? Mais ça, c'est si tu veux. Si tu préfères ne pas en mettre, c'est pas moi qui vais me... En tout cas, c'est certainement pas eux qui vont... Je sais qui c'est, ce type. Vous savez qui c'est? Oui, merci. Non, mais ça aurait pas pu vous revenir plus tôt, non? Parce que là, on est en plein chocolat avec vos amnésies. Oui, si j'avais pu partir plus tôt, j'aurais vu ce type plus tôt et je me serais souvenu de son nom plus tôt. C'est vous qui m'avez retenu, vous m'avez demandé de changer l'eau de la photocopieuse. De quoi? Ouais, c'est de votre faute, je suis désolé. Bon, alors, par contre, cela dit, vous aviez raison. Hein. C'est même pas qu'il fallait changer l'eau pour la photocopieuse. C'est qu'il n'y en avait plus du tout. Mais plus une goutte. Ce qui est rentré comme faute là-dedans, mais c'est pas pensable. Ça m'inquiétait, j'en revenais pas. Mais elle est percée, la bécane, ou quoi? Non, parce que je vous jure, je me suis demandé où elle avait bien pu passer toute cette eau. Bah voyons. Allez donc faire un tour à la compta, à l'étage au-dessous, et ils vont vous montrer tout ça. Tenez, prenez les bottes là, c'est les miennes. Je les mets plus, moi. De toute façon, j'y mets plus les pieds à la compta, j'attends que le niveau baisse. Tu t'en vas, Virginie? Non, je vais aux toilettes. C'est à toi le coussin là? Oh non, c'est pas vrai. Quoi? Mais tu vas pas faire le ménage à chaque fois qu'on parle de ma mère. Mais de quoi tu parles? Non, on est déjà en retard. Quoi? Non, sans déconner, c'est chiant. Daniel arrive à quelle heure? Funny feeling in my stomach.
évidence.